journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision, mesdames, messieurs. À présent, les sommaires de votre journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement de l'Union Sacrée. L'ancien ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a été condamné à 3 ans de prison ferme pour transfert illicite des fonds. Célébration de la Journée nationale de l'enseignement, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, promet aux enseignants de redorer l'image de l'EPST. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation a tenu son premier conseil de ministres ce vendredi 30 avril. Il a été dirigé par Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, en présence du premier ministre Samalou Kondé Kengé et de tous les membres du gouvernement. Cette réunion, qui a été qualifiée de prise de contact, intervient 3 jours après la remise et reprise entre Samalou Kondé, le sortant premier ministre, et Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La dernière réunion du Conseil des ministres avait été organisée en octobre 2020. La tension entre les anciens alliés du pouvoir FCC-CACH ne permettait plus un climat serein de travail. Vous aurez les comptes rendus de cette réunion dans nos prochaines éditions. Après la cérémonie de remise aux reprises à la primature, Samalou Kondé s'est entretenu avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Ces derniers sont venus justement lui parler de la situation sécuritaire dans leur province. On les écoute dans cet extrait choisi par Merveille Bababébaï. Partie nord du Nord Kivu et aussi dans les événements malheureux qui sont déroulés à Goma et dans le territoire du Nyiragongo. Ce sera aussi dans le cadre des futurs échanges que nous aurons l'occasion de discuter plus avec son Excellence sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Nord Kivu, et puis bien sûr à terme décider quels sont les meilleurs moyens de pouvoir établir la paix et la sécurité. Il faut aussi signaler que son Excellence, le Premier ministre, était accompagné du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense et du chef d'état-major. On a souhaité aussi, d'abord on a félicité, que justement, en tout cas on a félicité nos nouveaux membres du gouvernement, et nous appuyons aussi, bien sûr, cette participation de ces ministres clés qui tiennent la sécurité du pays, de pouvoir continuer à échanger avec les élus que nous sommes, pour pouvoir justement œuvrer pour le retour de la paix et la sécurité. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit, nous pleurons chaque jour des décès, qui se passe à l'est de la République. Nous continuons à avoir nos forces armées qui combattent vaillamment, en tout cas ces forces négatives telles que l'ADF et autres bandes armées. Donc pour nous les élus, nous estimons que ces occasions sont toujours celles de rappeler notamment le patriotisme de notre armée et de rappeler aussi que l'objectif final que nous souhaitons, c'est bien sûr la cohésion de toutes les fils et filles du Nord Kivu et de la République pour justement combattre dans cette guerre qui est une guerre asymétrique où, comme vous le savez, l'ennemi, qui est aujourd'hui un ennemi terroriste, souhaite en tout cas semer la discorde et montrer que le pays n'est pas gouvernable et que les autorités de l'État ne peuvent pas protéger leur population. Donc aujourd'hui, je pense que le Premier ministre a montré un message fort qui dit qu'il porte la question de la sécurité au plus haut niveau. Et nous sommes confiants que dans les jours à venir et dans les prochains échanges, nous pourrons en tout cas tirer les... Faisant d'une pierre deux coups, le Premier ministre a aussi écouté les caucus de députés nationaux de la province de l'Ituri venus lui expliquer également la situation d'insécurité dans cette partie de la RDC. On les écoute. Nous sommes les députés nationaux de la province de l'Ituri. L'objet de notre rencontre était principalement la situation sécuritaire en Ituri. Au début, nous l'avons remercié pour nous avoir présenté
son programme de gouvernement, les programmes pour lesquels nous sommes revenus à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour l'adopter. Et nous l'avons adopté. Et après l'adoption, nous voilà aujourd'hui directement être le premier caucus à être reçu par le Premier ministre. Nous le remercions puisque dans son programme du gouvernement, il a fait la sécurité comme un secteur prioritaire. Et pour nous, dans toutes nos différentes recommandations ou demandes, soit auprès du président de la République, auprès des anciens premiers ministres, auprès des ministres de l'Intérieur ou auprès des ministres de la Défense nationale et anciens combattants, c'est-à-dire auprès de toutes les instances du pays, notre priorité, c'est la paix et la sécurité en Ituri. Donc, nous avons essayé de faire un tableau de la situation sécuritaire en Ituri, en passant par le nombre de groupes armés locaux, le nombre de groupes armés étrangers qui se trouvent en Ituri. Donc, en bref, pour nous, les caucus, nous avons opté d'abord pour l'option militaire. Vous souvenez, le 21 avril, le caucus de l'Ituri a quitté l'hémicycle par solidarité et d'autres caucus ont adhéré dans cette vision de quitter aussi l'hémicycle. Et c'était pour quelles raisons que... En justice, Willy Bakonga, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, a été condamné à 3 ans de prison ferme pendant que son fils, lui, écope de 6 mois de prison. La justice lui reproche d'avoir transféré illicitement des fonds. Sophia Zaorati pour les détails. La Cour de cassation à Kinshasa a évoqué les sommes d'argent découvertes dans les sacs de Willy Bakonga qui sont de 14 000 dollars et 30 000 dollars américains et dont le transfert a été jugé frauduleux par dissimulation. L'ex-ministre de l'EPST est donc condamné à 3 ans de servitude pénale et il devra payer 90 000 d'amende. La peine de son fils est de 6 mois de servitude pénale plus 45 000 dollars d'amende. Mais si Willy Bakonga et son fils ont été escortés ce vendredi matin à la prison centrale de Makala après avoir passé la nuit au casier judiciaire. L'ex-ministre d'enseignement primaire, secondaire et technique était auparavant convoqué au parquet pour une autre affaire, celle du détournement présumé des deniers publics destinés à l'appui de la gratuité de l'enseignement de base et ce dossier n'est pas encore instruit. Parlons coronavirus et sa vaccination. La courbe est descendante en République démocratique du Congo avec 41 nouveaux cas confirmés, dont 29 à Kinshasa, 6 dans les Haut-Katanga, 5 au Nord Kivu et 1 à Ituri. Par ailleurs, 2734 personnes ont déjà été vaccinées. Alice Kabango nous en dit plus. 41 nouveaux cas confirmés dans le pays, dont 29 à Kinshasa, 6 dans le Haut-Katanga, 5 au Nord-Kivu et 1 en Ituri. 253 échantillons testés, 3 nouveaux décès dans le cas confirmé, 13 nouvelles personnes sont sorties guéries de centres de traitement de la COVID-19 et parmi le patient suivi à domicile. Depuis le 10 mars 2020, la date du début de la COVID-19, le cumul de cas est de 29 853, dont 29 852 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 766 décès et 26 219 personnes guéries. Il faut noter au sujet de la vaccination que 365 nouvelles personnes ont été vaccinées, dont 116 à HJ Hospital, 125 à Diamant, 14 au centre médical de Kinshasa CMK, 22 à la clinique Ngaliema, 20 pour les Nations Unies, 14 à l'hôpital La Saint-Joseph de Limété, 7 aux cliniques universitaires de Kinshasa, 7 à l'hôpital La Sino-Congolaise, 6 à Médecins de Nuit, 3 à Moncolé et 4 à Vidjana. Sécurité à Kinshasa. Plusieurs bandits à main armée sont tombés dans les filets de la police de Kinshasa. Parmi eux, les assassins du musicien Sunda Bass, ancien de l'orchestre Wenge BCBG de Jibempiana. Images et commentaires de la police provinciale de Kinshasa. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa vient encore une fois de plus de réaliser un joli coup de filet. Par le biais de ses services du groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, vient de mettre la main
sur une bande de 10 bandits à main armée opérant à l'aide de fusils calibre 12 dont le terrain de prédilection se trouve être les communes de Bumbu, Kisenso, précisément les quartiers Kisenso-Gar et Riflar, Mongafula, dans les quartiers Kimwenza, Ngaliema, Njil, Selembao, ainsi que certaines cités du Congo central, dont celle de Kazangoul. Ces personnes arrêtées par les hommes du général Silvano Kasongo sont auteurs, selon la police, de plusieurs actes inciviques, dont des viols et des meurtres. La bande est auteur de tueries, c'est-à-dire meurtres, vol à main armée, extorsion, destruction méchante, viol et coups et blessures volontaires aggravés. Il convient de signaler également qu'ils accèdent dans les domiciles de tiers après avoir troué les murs ou détruit les portes à l'aide d'un moellon. Ces hors-la-loi ont plusieurs forfaits à leur actif, dont un échantillon vous est présenté ci-après. Premier crime, meurtre du lieutenant-colonel Kalanda Sassa de Forces armées de la République démocratique du Congo, tué par balle à son domicile sur avenue Kayamba numéro 1, quartier Kimvula, dans la commune de Mongafula, commis la nuit du 20 au 21 juin 2019. Meurtre de M. Kodise Nginamau et M. Makengo Jacques, tous deux tués dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019, dans la boutique cinquantenaire à trois maisons dans la commune de Mongafula. Vol à main armée au domicile de Madame Mboya Chibamba Micho, veuve de M. Sunda Bass, musicien de Wenge Musica, tué par balle par la même bande le 7 décembre 2019. 18 vers 1h. Le chef des bandes est passé aux aveux. Minduko yo ezali ya biso na osama. Tosala kango crime na botena ba osama. Biso tu oba kangiawa enonsa zate biso nyon tu bakoloma kam. Biso nyon to yebe ko beta minduko. Même s'il y a un repris de justice dans les lots des personnes arrêtées, le commissariat provincial dit qu'il ne baissera pas les bras dans la traque des bandits jusqu'à faire reculer sensiblement l'insécurité à Kinshasa. Célébration de la journée nationale de l'enseignement, ce 30 avril, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a, dans un message officiel, promis aux enseignants, parents et élèves de redorer l'image longtemps ternie du sous-secteur de l'EPST. Christelle Guenda nous en dit plus. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, dans son message à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement qui est célébrée le 30 avril de chaque année, a rendu hommage à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la matérialisation de sa vision ainsi que pour son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions. La célébration de cette journée lui a donné l'opportunité de reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par ces femmes et ces hommes qui ont choisi de transmettre le savoir-faire et le savoir-être aux enfants congolais. Il a parlé de l'élève appelé à être non seulement acteur principal et sujet de son épanouissement physique, intellectuel et moral, mais aussi l'avenir du pays. Par ailleurs, le nouveau patron de l'EPST indique que l'importante action entreprise par le chef de l'État dans les sous-secteurs de l'EPST se sont relevées jusqu'ici autant courageuses que salutaires. Pour conclure, Tony Mwaba Kazadi a promis aux enseignants, parents et élèves de redonner l'image longtemps ternie du sous-secteur de l'EPST.
En sport, les sanctions sont tombées contre certains responsables de Sangabalende de Mbujimayi ainsi que les arbitres qui ont officié la rencontre entre cette équipe et les tout-puissants Mazembe du mercredi 28 avril au stade Kachalabonzola de Mbujimayi qui a vu les corbeaux de Lubumbashi agressés par les anges et or de Mbujimayi. Sami Bosongo pour le reportage. Elles sont tombées après une réunion extraordinaire du comité de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. Elles, les sanctions contre les auteurs des actes de barbarie au terme de leur rencontre entre Sa Majesté Sangabalende et le tout-puissant Mazembe du mercredi 28 avril au stade de Kachalabonzola de Mbujimayi. En effet, le club rouge et jaune devra jouer ses trois prochains matchs à domicile dans une ville autre que Mbujimayi, cette sanction étant assortie d'un sursis. Sangabalende devra aussi verser une amende de 5000 dollars américains à l'INAFOOT et en cas de récidive, l'épée de Damoclès est sur lui. Sont sanctionnés en même temps que Sangabalende, Lamartine Lumbala, membre de la cellule de communication du club, qui écope de 24 mois d'interdiction de présence au stade pour avoir fait preuve d'incitation à la violence par son attitude pendant et après le match, ainsi que l'arbitre central Kibingo Numbi de la Ligue de football de Maniema qui est suspendu pour 24 mois et son arbitre assistant Mpaka Mayasi de la Lifkin qui est lui aussi frappé de la même sanction. L'on rappelle que le supporter du club sans et or, mais content de l'arbitrage, s'en était pris à l'équipe de Lubumbashi et à sa délégation, de même qu'aux arbitres de la rencontre, obligeant la police à user des gaz lacrymogènes. Le tout-puissant Mazembe avait battu Sangabalende par un but à brosse, but marqué par l'attaquant Thomas Oulimwengu à la 5e minute du temps additionnel. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce 30 avril 2021. Commençons par ce titre de la radio Capi. RDC, l'armée et la police dispersent le sit-in des élèves devant la mairie de Beni. Une vive tension est observée ce vendredi 30 avril matin dans la ville aux alentours de la mairie de Beni. Nous sommes au Nord Kivu. Cette tension est liée au délogement des élèves qui étaient en sit-in depuis 9 jours à l'esplanade de l'hôtel de ville par les éléments de la police et de l'armée. Du coup, les barricades auraient fait surface sur les voies publiques. Tôt ce vendredi matin, des dispositifs sécuritaires ont été renforcés aux alentours de la mairie de Beni où les élèves campent pour exiger la présence du chef de l'État dans la ville. Selon certains élèves en fuite que Radio Okapi a rencontré, ces éléments de la police ont fait irruption dans leur campement vers 6h du matin. Poursuivons avec actualité.cd qui écrit RDC. Pour François Mwamba, seule la création des conditions des maximisations des recettes permettront l'application du programme du gouvernement Sama Lukonde. Le conseil principal de veille stratégique a clôturé son atelier des validations de l'état des lieux, de la mise en œuvre des engagements du chef de l'État, Félix Tshisekedi, contenu dans le programme du gouvernement. Dans son allocution, François Mwamba Tshishimbi, coordonnateur de ce conseil, s'est appesanti sur l'importance de la maximisation de recettes de l'État pour permettre au gouvernement Sama Lukonde de posséder les moyens pour la mise en œuvre de son programme d'action. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec 7/7.cd qui écrit Sud Kivu Covid-19, prévu ce vendredi, la campagne de vaccination avec AstraZeneca reportée. La campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus dans la province du Sud Kivu a été reportée, initialement prévue ce vendredi 30 avril 2021 dans la ville de Bukavu. Cette campagne connaît certains soucis des préalables pour son lancement. Selon Cosmos Bichicha, ministre provincial de la Santé, ce report est dû au fait que les préalables ne sont pas encore réunis dans la formation des différents prestataires impliqués dans cette campagne de vaccination. À l'en croire, les experts nationaux qui devraient organiser la dite formation ne sont pas encore arrivés en province. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Place à présent au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée. L'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga,
a été condamné à 3 ans de prison ferme au transfert illicite des fonds. Célébration de la Journée nationale de l'enseignement, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, promet aux enseignants de redorer l'image de l'EPST. Fin de cette édition d'information. Bonne fête à l'enseignant congolais et bon week-end chez vous en compagnie des programmes de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.